Ok, puisque les prêts s'enregistrent, ça tourne. Alors, il y en a peut-être qui sont venus, c'était la semaine dernière, il y a Fabrice Coin qui est venu faire une présentation de la Lightning Network. Tu te présentes. Oui. Tu te présentes aussi. Non, je suis anonymous. En vérité, je m'appelle Julien Louton. Bonjour. Donc, je suis en Bitcoin depuis 2011, un truc comme ça. Je suis dans la communauté Lightning Network, j'ai été développeur, maintenant j'ai un peu lâché l'affaire parce que j'ai mon entreprise. Mais donc voilà, pour le background, je pense que ça suffit. Donc vous avez eu la semaine dernière une petite présentation par Fabrice Boin de Lightning Network. Alors c'est de la théorie, donc le Lightning Network ça fonctionne très très bien en théorie. Aucun problème là-dessus. En pratique, c'est un petit peu différent, et donc aujourd'hui, on va faire la pratique, c'est-à-dire comment ça se passe réellement sur l'ordinateur, qu'est-ce qu'il faut installer, comment ça s'installe, etc. Donc, pour l'instant, c'est des logiciels qui sont en version bêta, c'est en cours de développement, donc on peut s'en servir. Mais il est déconseillé de s'en servir sur ce qu'on appelle le mainnet, le réseau Bitcoin normal, parce que justement c'est en cours de développement. Après il y a des casquettes avec marqué reckless dessus, pour les gens qui sont reckless, c'est-à-dire sans vergogne, et qui utilisent Lightning sur le mainnet, même si c'est déconseillé, tout le monde le fait. Mais nous on ne va pas le faire, on va travailler sur le testnet, qui est un réseau de test Bitcoin. Qui est justement à destination de tests et Lightning Network, ça permet de pouvoir tester sans perdre d'argent. Donc aujourd'hui on va faire de la pratique, on va voir les logiciels qu'il faut installer, est-ce que c'est facile à installer ou pas, ça sera à vous de voir. Donc on va prendre la documentation officielle, donc, vous ne voyez pas là-haut, mais c'est sur le site dev.lightning.community. Qui est un petit peu le point de rassemblement des développeurs et des utilisateurs Lightning pour l'instant. Donc ça va se passer en plusieurs étapes. C'est technique, donc on va le faire pas à pas. Sur le site Meetup, c'était précisé qu'il fallait venir avec un nœud Bitcoin testnet synchronisé. Donc je ne sais pas si tout le monde a ça, mais c'est ce dont on a besoin pour pouvoir tester ça, tester Lightning Network. Donc je vais m'asseoir, on va regarder sur l'écran. Donc ça c'est la doc. Il faut que je retrouve mon curseur. Tout petit. Donc voilà, Lightning Network Developers, c'est le site. Donc c'est l'installation du logiciel Lightning Network. Donc on va travailler avec la version LND. Il y a plusieurs implémentations. Fabrice Coin, il travaille A5, sa société travaille au développement de l'implémentation qu'on appelle Eclair, qui est en Java et Scala. Et là on va travailler avec la version Go, qui est faite par Lightning Labs, qui est une entreprise de la Silicon Valley. On travaille sur la network. Parce que c'est quand même beaucoup plus simple d'installer cette version-là assez rapidement. Donc, bien évidemment, la doc n'est jamais à jour. Donc, le but, c'est d'installer Go. Donc, le paquet, il ne s'appelle pas Golang 1.11, mais il s'appelle juste Golang. Donc sur vos machines, il faut installer le paquet Golang, qui est l'interpréteur du langage dans lequel est développée cette implémentation de Lightning Network. Donc si vous êtes sur Linux, j'espère, c'est une commande toute simple, apt-get-stat Golang. Vous avez aussi la version pour OSX, pour FreeBSD. Je ne vais pas couvrir Windows. Microsoft, parce que ça fait plus de 10 ans que j'ai pas touché un ordinateur Microsoft, donc je ne sais même plus comment ça fonctionne. Et donc,
installer d'abord le paquet Golang et ensuite le configurer. Donc pour le configurer, il y a deux variables, il y a une variable à indiquer et après à mettre dans le chemin d'exécution du système le répertoire bit de ce répertoire. Là, c'est juste un exemple. Le 10 par défaut, c'est dans le répertoire personnel, le répertoire pour. Donc une fois que vous avez cet environnement-là, on s'est précisé, c'est recommandé de mettre ces deux lignes dans un fichier qui s'appelle .bashrc, qui est à la racine de votre, à la racine, qui est dans votre répertoire personnel. Donc une fois que vous avez configuré Go, ce n'est pas très compliqué, on va passer à l'installation de la ligne. Et donc ça, c'est assez simple. C'est ces trois commandes-là. La première, c'est go get lightning, c'est-à-dire qu'on va dire à go d'aller chercher les sources de lightning. Ensuite, la deuxième, c'est qu'on se place dans le répertoire où le logiciel a été, les sources, les fichiers sources ont été téléchargés. Et on va taper les commandes make et make install, qui sont les commandes de base pour compiler et installer le logiciel. Après, voilà, pour certains utilisateurs Windows, il y a quelques petites modifications à faire avec Mac, parce que c'est un exécutable. Donc j'imagine que vous n'êtes pas sur FreeBSD. Hop. Donc après, il y a toutes les, comment le mettre à jour si vous l'avez déjà utilisé. Les tests qui ne fonctionnent pas, comme vous voulez dire. Donc une fois que vous avez installé ce LMD, ça va prendre un certain temps. Lightning Network, c'est ce qu'on appelle le layer dans le monde Bitcoin, c'est le layer 2. Bitcoin, c'est le layer 1. Et donc quand on arrive dans Lightning Network, on dit LMD, le logiciel Lightning Network a besoin d'un back-end, des Available Back-end Operating Modes. Un back-end, ça va être justement le nœud synchronisé. C'est pour ça que j'avais demandé, venez avec un nœud testnet synchronisé. C'est-à-dire que vous avez un logiciel Bitcoin qui tourne avec la blockchain du testnet, qui n'est pas la même que le net, qui ont des tokens qui n'ont aucune valeur. On va pouvoir s'échanger, c'est facile. Et donc, dans la documentation, il est précisé que vous pouvez avoir plusieurs back-ends, et c'est normal parce que les implémentations de Bitcoin, il y en a des différentes. Il y a Bitcoin D, qui est l'implémentation de référence Bitcoin Core, mais il y a aussi BTCD, qui est une implémentation en Go, qui est développée par les mêmes développeurs que la ligne Network de Lightning Labs. Donc voilà, ça c'est pour vous indiquer que il faut avoir un nœud Lightning, un nœud Bitcoin de synchroniser. Et avec une petite précision pour ceux qui connaissent ce que c'est, mais ce logiciel de marque, c'est Lightning ne fonctionne pas sur les nœuds qui sont prunés. C'est-à-dire dans lesquels on supprime l'historique très vieux de la blockchain pour en réduire la taille. Là-dessus, en fait, on peut. C'est oui. Pas du tout recommandé, ça crée aucun problème, mais je le fais, ça marche. Jusqu'à ce que ça marche plus. Si tu enlèves les données où je l'ai mis justement ta commune 20TX, ou ta finité, c'est qu'elle n'apparaît plus dans le nœud, forcément, voilà. Après, si tu peux pruder, bon, si tes channels et ta commune 20TX sont récents, après, en tant que maximaliste, je dirais non, mais Bitcoin c'est un full node et tu ne prunes pas. Mais voilà. Donc là, on a les options pour les différents back-ends. Donc moi, je suis parti sur Bitcoin Core, donc les options Bitcoin D. On voit qu'il faut un répertoire. Là où est située la blockchain.
l'hôte pour se connecter, l'utilisateur, le password, et ensuite les queues, les fils. S'ils sont des, ça, ces deux-là, c'est des fils d'information, comme un site d'information où il y a des news qui sont classés, l'AFP par exemple. Les news arrivent au fur et à mesure et qui sont classés par ordre chronologique. Ces deux options-là, ZMQ, Q comme une queue, c'est le même principe. C'est-à-dire que ça va vous envoyer les nouvelles à propos de la blockchain au fur et à mesure. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un nouveau bloc? Est-ce qu'il y a une nouvelle transaction qui te concerne? Donc, c'est des choses qui sont mises en place dans le backend, dans le nœud Bitcoin. Et le nœud Bitcoin, quand il y a un nouveau bloc ou une nouvelle transaction qui concerne le wallet, l'adresse du nœud Bitcoin, ça donne des alertes. Hop, hop. Là. Ça, c'est pour BTCD. On va passer. AMD, BTCD, alors, on va même hop, aller un peu plus loin. Dans le Bitcoin, donc le logiciel Bitcoin Core qu'on va utiliser, il y a ces options-là à mettre dans le fichier de conf, dans le fichier de configuration de Bitcoin. Donc on reprend mettre la valeur testnet 1 pour bien indiquer qu'on est sur le réseau testnet et pas le mainnet. Serveur, daemon c'est pour qu'il fonctionne en arrière-plan, et server c'est pour qu'il accepte des commandes, et il faut absolument qu'il accepte des commandes parce que ce logiciel, Lightning Network, va lui envoyer des commandes. Et donc après là on a les deux sans information de configuration pour les mises à jour de blocs et de transactions. Et donc quand Bitcoin est configuré avec ces options, vous pouvez les taper en ligne de commande. En ligne de commande, c'est vous mettez un tiret devant chacune des options et vous pouvez le mettre en ligne de commande. Et ensuite, il y a la contrepartie, donc LND qu'on a installé plus haut. J'espère que vous avez réussi à l'installer. Ou pas. C'est la contrepartie. Toutes les informations là, elles vont être utilisées par la ligne pour se connecter au Bitcoin. Et donc on voit bien là la ligne de commande quand on va lancer Lightning Network, ça c'est le démon, c'est le serveur Lightning Network, où on dit bon bah voilà il est actif pour le réseau Bitcoin, parce que Lightning ne fonctionne pas forcément que avec Bitcoin. Sur le Bitcoin, on utilise la chaîne testnet et pas mainnet. Les bug levels, ça c'est pour avoir toutes les informations, parce que ça, comme ça bug beaucoup, c'est bien de pouvoir déloguer. Le nœud est un nœud Bitcoin D, ça c'est le type de backend, comme on l'a dit tout à l'heure, Bitcoin D, BTCD, Neutrino. Et donc bah, là on trouve le username, RPC user, RPC pass, qui sont à rajouter soit dans le fichier de conf, soit dans la ligne de commande. On peut voir ça plus haut d'ailleurs, si je me souviens bien. Voilà, bon là c'est en utilisant BTCD. Bitcoin D, c'est la même chose. Mon RPC user, vous mettez un utilisateur. Mon RPC pass, vous mettez un mot de passe. Hop, hop. Hop, hop. Alors, je retrouve mon petit curseur. Je vais déplacer ça là. Évidemment, c'est fini en tout. Petit, et augmenter, non, on ne peut pas augmenter la taille. Merci. Il n'y a pas une option d'affichage. Bon, bref, c'est illisible, mais je lance Bitcoin, moins Daemon, cette option-là, moins testnet, pour le testnet. Moins serveur pour accepter les commandes, moins ZMQ pub gros bloc, c'est ça, moins ZMQ pub gros TX, c'est le même, et après j'ai rajouté moins RPC user égale user, moins RPC password, mon mot de passe. C'est un mot de passe que
c'est pas un compte existant, c'est un compte qu'on choisit. Et la contrepartie de la Lightning Network, où je lance Lightning Network Human, LND, comme indiqué là, moins Bitcoin pour actif, moins Bitcoin pour tester, moins debug level, moins debug, égal debug, moins Bitcoin.node égale Bitcoin D, se trouve là, moins Bitcoin D RPC user, je mets mon user, moins Bitcoin D.RPC pass, je mets mon pass, moins Bitcoin D.ZMQ pub row block égale Bitcoin, moins Bitcoin D ZMQ pub row PX, avec les paramètres. En fait, on donne au nœud Bitcoin toutes les informations qui vont permettre au nœud Lightning de se connecter. Et au nœud Lightning, au logiciel Lightning, on lui donne les informations, les mêmes qu'on va donner à Bitcoin, pour se connecter au nœud Bitcoin. C'est bien deux logiciels différents, et ça, c'est pour les mettre ensemble, qu'ils puissent communiquer ensemble. Donc ça, je vais laisser... Je vais remettre ça ici. Donc là, toujours sur le site, il y a tout un tas d'informations qui sont intéressantes. Donc les paramètres RPC user, RPC pass, on peut utiliser d'autres disques, on peut utiliser d'autres méthodes plus sécurisées, mais on va se contenter de celle-là. Et donc après, bah, c'est comme les détails sur les différentes options que je viens de dire. Et puis ils expliquent au niveau des adresses pourquoi on utilise l'adresse 127.0.0.1 pour configurer tout ça. Et donc, Backyard Boons, c'est un bout de logiciel pour Lightning. Qui permet de gérer la sécurité des connexions. Et donc ça fonctionne avec des systèmes de cookies et ça permet d'avoir des connexions chiffrées. On ne va pas aller plus loin que ça parce que c'est des choses qui se font automatiquement, donc ça ne sert à rien de rentrer dans le détail là-dessus. Après on arrive sur le problème de la ligne, Network Reachability, où on a une petite option, on peut passer ou ne peut passer au logiciel Lightning pour indiquer l'adresse IP. C'est marqué external IP parce que ça représente une adresse IP publique. Parce que des adresses IP, vous avez des adresses IP privées et publiques. Par exemple, ici on est connecté au Wi-Fi. Le Wi-Fi, la bande Wi-Fi va vous donner des adresses IP privées. Après, quand vous êtes connecté à un opérateur chez vous avec Orange, ou avec la 4G sur le téléphone, l'opérateur vous donne une adresse IP publique. Et les serveurs, les machines sur Internet, pour qu'elles puissent communiquer, il faut que leurs adresses soient publiques. Et donc, on peut indiquer à la Lightning Network l'adresse IP publique derrière laquelle on est, pour certains cas de topologie réseau, où on n'est pas connecté, on n'est pas directement sur Internet, on n'a pas officiellement une adresse IP publique, et bien, il faut pouvoir indiquer l'adresse IP publique pour être accessible depuis Internet. Parce que, par exemple, chez vous, quand vous êtes derrière une box Internet, vous avez une adresse IP privée, et donc vous n'êtes pas atteignable, vous n'êtes pas disponible sur le réseau Internet public. Un des défauts du PV4. Et donc, là, généralement, on met l'adresse IP justement qui est fournie par sa box Internet ou autre. Dans notre cas ici, on va avoir beaucoup de difficultés parce qu'on est tous connectés au même réseau Wi-Fi, moi-même. Et donc, pour se connecter sur le réseau public, on va avoir beaucoup de difficultés. Simulate versus testnet, on ne va même pas en parler. Créer un fichier lnd.conf, c'est le même à... Les options, elles peuvent être passées en ligne de commande ou pas. Si on ne veut pas retaper toute la ligne de commande avec toutes les options qui indiquent le user, le password, l'adresse IP, les fils de mise à jour, etc., on les inscrit dans un fichier de conf
Et après, donc, ça fonctionne tout seul. Là, on a le format du fichier conf dans lequel on met les options qu'on a pour accéder au debit de commande. Donc cette documentation, vous pouvez la reprendre, elle est publique, et elle indique que le moyen de connecter Lightning sur un debit de call. C'est juste de l'installation, c'est pour installer le logiciel, c'est pour ça, c'est quand même là, et ça va pas plus loin. Mais, c'est toujours le même site, mais c'est l'étape d'après. Alors, c'est un langage barbare, setting up local cluster. En gros, dans cette documentation, il est question de topologie. Et dans Lightning Network, en règle générale, c'est beaucoup de questions de topologie. C'est comme ceux qui ont écouté Fabrice Rouin ont pu le comprendre. Lightning Network, c'est un réseau à routage en oignon, fait de contrats à deux plus parties, où le tricheur perd ses fonds. Et donc, comme c'est un réseau, il y a beaucoup de nœuds. Un routage en oignon, c'est un routage oignon, c'est pour que ça soit anonyme, mais il n'en reste pas moins que c'est du routage. Et donc, on a plusieurs nœuds qui, les uns à la suite des autres, vont pouvoir communiquer entre eux pour se faire pour transmettre des informations le long d'un lightning, ça m'est clair, donc Alice, Bob, Charlie. Donc là on arrive sur, on a toute une explication sur les composants, ça reprend un petit peu la documentation qu'on vient de voir. Alors, ensuite on dit pour mettre en œuvre l'environnement. Donc on lance, comme on l'a vu sur la documentation précédente, on lance le nœud Bitcoin, dans ce cas-là c'est BTCD, mais c'est peut-être BitcoinD. Donc on a différentes options sur le réseau sur lequel on va se mettre. Dans la documentation, il parle de CNET, mais nous, en l'occurrence, c'est TestNet qu'on va utiliser. Voilà, ils disent moins CNET. Peut être changé en moins testnet, on voit ici, et après on reprend le user, le pass, etc. User et password qui sont donc ça c'est pour avoir plusieurs utilisateurs sur la même machine, etc. Et ensuite là on arrive sur level, CNET, King. Et là, on retrouve la même commande qu'on a vue tout à l'heure pour lancer LMD, où il y a tout un tas d'options qui peuvent être mises dans le fichier de configuration dont je vais parler. Et là, ce qui nous intéresse, c'est on a le user cake, le password cake. Là, c'est à choisir. La liste des options, à quoi elles servent. Alors, on va passer rapidement sur ce que c'est. RPC Listen, Listen, REST Listen, ça c'est comment accéder au logiciel Lightning, comment lui envoyer des commandes, comment lui poser des questions. DataDir, c'est là où sont stockées les données, pour en cas de redémarrage, etc. DocDir, c'est pour les lignes, et WL, c'est pour savoir le niveau d'information qu'on peut avoir, le réseau sur lequel on se trouve. Si la chaîne est active, le nœud qu'il y a derrière est décédé au BitcoinD, et après les mises en place. Ça reprend la même nomenclature qu'on a vue dans la note précédente. Et donc là, on arrive sur.
comment connecter le nœud Lightning au nœud Bitcoin. Donc on a les mêmes options, hein, c'est toujours la même chose. Hop, hop, hop. Avec des options en plus, mais faut se limiter à quelque chose de simple. Donc là, on reprend toujours le fichier de conf pour savoir, pour pas avoir retapé toutes les mêmes commandes. Il est indiqué où se trouve ce fichier de conf et connu le format du fichier de configuration. Et là, on arrive sur justement comment on lance les différents nœuds. Donc, il y a tout un tas de passages sur l'authentification, avec juste Macaroon, etc. Donc c'est des choses qui maintenant sont automatiques, donc il n'y a pas trop besoin de s'attarder dessus. Hop, hop. Macaroon, les alias, la HRC. Voilà. Et, une fois qu'on a installé ce logiciel LND, qu'on l'a configuré pour se lancer en se connectant au nœud Bitcoin sur lequel qui est installé sur votre machine, le testnet que vous avez demandé de synchroniser. Donc quand le Lightning se lance avec les paramètres qu'on a vus sur le niveau de la documentation et de l'augmentation précédente, ça donne une interface qui s'appelle LNKey, qui est un exécutable qui permet de se connecter, d'envoyer des commandes, des questions au nœud Lightning. Et donc c'est là où on arrive dans le vif du sujet, dans là où ça va être intéressant. Tout ce que vous avez dit précédemment, c'était juste de la configuration, de comment mettre en œuvre techniquement sur un serveur ou sur une machine le logiciel Lightning Network. C'est pas, il n'y a pas d'interface utilisateur, il n'y a pas ces choses-là pour l'instant, parce que c'est un logiciel qui est en cours de développement. Et pour l'instant, il n'y a pas encore la nécessité et même l'utilité d'avoir une interface utilisateur. Et donc, nous avons tout un tas de commandes qui vont permettre d'ouvrir ces fameux canaux Lightning Network. Mais avant ça, avant d'ouvrir des canaux, il y a une chose à faire. C'est il faut mettre des bitcoins sur ce réseau. Donc, votre nœud Lightning, il va avoir une adresse Bitcoin. Mais une adresse, ce n'est pas un canal, c'est une vraie adresse Bitcoin, qui n'est pas du layer 2, qui n'est pas du Lightning Network. C'est une vraie adresse Bitcoin. Donc, quand on installe le Lightning, au début, il n'y a pas d'adresse Bitcoin. Il faut lui en générer une. Et donc, on a l'option NMP, new address, NP2WKH, qui est une norme d'adresse qui indique que le destinataire de cette adresse participe au réseau Lightning Network. Donc ça génère une adresse, donc un couple avec une clé privée, une clé publique. Donc l'adresse avec la clé publique, vous aurez. Donc par exemple, je vais vous montrer. Si j'y arrive, si je retrouve mon curseur, dites plus étudiant dans le sur le guide. Vous avez changé de page. Vous avez changé de page ou en fait on est un peu perdu. D'accord. Je vais reprendre. Non, pas tout reprendre, mais remonter juste voir à quel niveau on est. Il y a une deuxième page. Hein. Ah, il y a une deuxième page, d'accord. C'est après l'installation. Alors, j'ai retrouvé le truc. Ah, j'ai deux onglets là-haut. Moi, c'est un écran 4K, donc bon, c'est écrit. On est sûr. Donc là, on avait la première page. D'accord. En fait, c'est il y a un site, c'est dev.lightning.community/guide au pluriel, slash installation. D'accord. Et donc, là, c'est. On a un lien par le guide. On va cliquer, on va faire un guide. C'est le guide. Ah, ok. Overview. Clic. Okay. Non. Tout. Ouais, voilà. D'accord. Donc on a la,
avec notre orc. Et ben, Chamel, etc. C'est toute la documentation qui concerne Alchemy, c'est la documentation officielle. Donc il y a une première partie qui est sur l'installation, qui ne concerne que l'installation, c'est-à-dire il faut installer GoLang pour pouvoir compiler le logiciel, et ensuite, via GoLang, installer le logiciel, enfin télécharger une source et le compiler. Et ça, la deuxième page, on va remonter tout en haut, c'est Stage 1, Setting up a local cluster. Okay. Et donc c'est la première étape. Quand on parle de cluster, on parle de topologie réseau. C'est pour mettre en place cette topologie. Avec là où on s'est dessiné par des barbus. Donc on a Alice, Bob, Charlie, qui peuvent être connectés. BTC, LTC, Network. LTC c'est l'icône, l'icône, l'icône Network. Ça veut dire que sur le réseau avec l'icône Network, on peut se connecter à différentes chaînes. Et ça peut être Bitcoin ou l'icône. Pour l'instant, il y en a d'autres sur lesquels on peut se connecter, mais voilà, c'est moins intéressant. Du coup, je ne peux pas poser une question. Mais il faut, n'hésitez pas à m'interrompre, à poser des questions, parce que là, pour l'instant, je ne sais pas si vous comprenez ou pas, en fait. Oui, alors justement, du coup, ce qui est intéressant, c'est que là, on va avoir Alice, Bob, Charlie, qui vont être sur le même nœud. Alors oui, là, dans le cas de cette documentation, tout est fait sur le même ordinateur. Donc ordinateur. Alice, Bob, Charlie peuvent avoir donc ça va être trois adresses. Ça va être trois comptes, on va dire trois adresses qui vont être sur le même ordinateur. Mais les logiciels, on lance trois fois le même logiciel en fait. Ah d'accord. Ça veut dire qu'il y a trois démons qui vont tourner. Enfin, oui. Trois. Ok. C'est... Donc il ne peut pas y en avoir 100 000 par exemple. Bah ça va être difficilement compliqué. En théorie, c'est compliqué. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que Lightning n'est pas multi-user. On va instancier à chaque fois. Non, c'est pas multi-user. Un nœud. Un portefeuille, entre guillemets, il peut avoir plusieurs adresses. Mmh. On peut créer un certain nombre d'adresses. Un node, un démon, oui, un wallet. Un wallet, exactement. Ouais. D'accord. Donc là, c'est une topologie et un cas d'utilisation très spécifique parce qu'en fait, ils demandent aux gens d'installer justement trois démons sur la même machine et c'est pas évident à savoir pourquoi on fait ça. C'est pour ça que je passe pas en revue la topologie qu'ils indiquent. Donc je dis, pour l'instant, installer juste un seul démon avec un seul utilisateur. D'accord. Comme on est plusieurs, on pourra essayer de faire des transactions entre nous. C'est vraiment pas sûr que ça fonctionne, mais on va essayer. Hein. Donc là, on en était à la configuration, de savoir comment on va. C'est là, en fait, regarde. D'accord. Now we start nodes, we are only have to type. Donc en fait, à chaque fois, donc là, il y a trois utilisateurs, Alice, Bob et Charlie, et ça lance à chaque fois la nouvelle commande. D'accord. Ouais, c'est ça que j'ai manqué. Ok. Alors après, le truc intéressant, c'est que peu importe les utilisateurs, ils peuvent tous être connectés au même nœud Bitcoin. Parce que ce n'est pas des wallets Bitcoin, c'est des wallets Lightning. Donc en fait, s'ils se connectent au même nœud Bitcoin, ça le... Ouais, on va voir. Justement, je continue dans une question un peu architecturale. Justement, donc effectivement, le nœud Lightning a une adresse Bitcoin. Et donc, du coup, pourquoi avoir besoin de faire tourner un nœud Bitcoin, un wallet classique Bitcoin, Bitcoin B, puisque finalement, ce wallet va permettre de créditer en quelque sorte le nœud Lightning. Alors, il faut faire la différence entre ce qu'est un nœud et ce qu'est un wallet. Dans le monde Bitcoin, un nœud, ça a des rôles différents. Il y en a quatre. Il y a le nœud réseau, c'est-à-dire qu'il transmet ce qu'il y a dans la même pool, les transactions courantes. Ce nœud-là fait ce rôle-là fait la vérification des transactions. C'est-à-dire que quand il en reçoit une nouvelle, si elle ne correspond pas, elle est fausse, elle essaie de tricher, il ne va pas la retransmettre, il la met à la nouvelle. Ça, c'est pour la transmission des transactions. Il y a un deuxième rôle qui est le rôle wallet. Donc dans ce cas-là, on stocke une clé privée dans le Bitcoin qui permet de recevoir
et de dépenser des bitcoins. Ouais. On a un troisième rôle qui est le rôle réseau, c'est-à-dire qu'on est connecté, enfin, on transmet les blocs, non pas les transactions, mais les blocs sont transmis. Alors c'est deux rôles, le rôle de routage des transactions et le rôle de réseau, ils se ressemblent beaucoup, mais il y en a un, c'est juste pour les transactions de la même pool, c'est qu'ils sont en cours, en attente d'être minés, et le rôle de transmission des blocs, les blocs qu'on reçoit, qu'il faut transmettre le plus vite possible pour éviter les forks et que justement on soit tous sur le même état et qu'on n'ait pas des problèmes de double spend et compagnie. Et le dernier rôle, c'est le minage, c'est-à-dire qu'un nœud peut proposer des blocs, c'est-à-dire une compilation de transactions avec un hash qui respecte la difficulté de preuve de travail, requise. Donc il y a quatre rôles. Et donc le rôle wallet, ce n'est qu'un des rôles. Certes. Et le nœud Lightning va être un node qui n'a qu'un rôle. Il a le rôle de wallet. Mais il a pas les blocs, il ne transmet pas les transactions et il ne fait pas de minage. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il a besoin de se connecter à un nœud Bitcoin qui lui, de base, transmet les blocs et transmet les transactions. D'accord. C'est pour ça qu'on a vu dans l'installation, il y avait des choses avec ZMQ, RawBlock, etc. Justement, c'est le nœud Bitcoin qui reçoit les nouveaux blocs, qui reçoit les transactions, etc., et qui va mettre dans ce journal, dans ce fil AFP, on va dire, ah, j'ai reçu un nouveau bloc, ah, j'ai reçu la telle transaction, etc. Et le logiciel Lightning, lui, il va lire sur ces fils AFP qui arrivent, ce feed qui arrive, pour voir en quoi ça le concerne ou pas, et donc après afficher les soldes ou ces choses-là. Okay. La raison pour laquelle Lightning a une adresse Bitcoin, donc un wallet Bitcoin de layer 1, c'est parce qu'il faut à un moment donné mettre ce token sur le réseau Lightning. Et cette adresse, cette première adresse qu'on génère, cette adresse qu'on génère, parce qu'au début il n'y en a pas, ça va être là où Lightning va recevoir des bitcoins et donc après on va pouvoir s'en servir pour des chaînes. Mais il faut déjà les mettre sur une adresse de type Lightning. C'est ça, NPW-H, c'est l'adresse Lightning. Elle est spéciale parce qu'elle contient en quelque sorte un smart contract qui permet l'utilisation de Lightning. Comme c'est un réseau à routage en oignon, à contrat multiparty où le tricheur perd ses fonds, ça, c'est pas un concept qui existe dans Bitcoin à la base. C'est-à-dire que là, quand on envoie des Bitcoins sur ce type d'adresse-là, on arrive sur un contrat où on dit si j'essaie de tricher, je vais perdre mes fonds. Sur Bitcoin, layer 1, si j'essaie de tricher, les autres nœuds ne vont pas accepter ma transaction et ne vont pas la relayer, c'est fini. Je vais pas, si j'essaie de tricher, je ne vais pas perdre mes fonds. Quand on arrive sur ce type d'adresse, c'est un contrat Lightning, multiparty, et donc c'est pour respecter ces règles, il faut que ça soit sur ce type d'adresse, parce qu'on rajoute des règles pour que ça soit off-chain. En d'autres termes, je me permets de reformuler ça. Quand on crédite cette adresse, on hypothèque, entre guillemets, la somme qu'on a sur son wallet d'origine. Alors ça dépend de ce qu'on entend par hypothèque. Non mais j'essaie de trouver une analogie avec le monde réel. Je ne suis pas un financier, les hypothèques, je ne sais même pas ce que c'est une hypothèque. Le fait qu'effectivement on la met en jeu, c'est-à-dire qu'effectivement si le contrat n'est pas rempli, la somme est perdue. Ça c'est quand on fait le channel, hein, je pense. Voilà. Là quand le fond. Ouais, c'est plutôt au moment où on fait le channel. Mais là, c'est le Bitcoin. D'accord. C'est un Bitcoin. Dans tous les cas, même sur le channel, c'est tout le temps du Bitcoin. Oui. C'est-à-dire que la formule mathématique
parce que c'est une primitive des bitcoins, ce ne sont que des primitives mathématiques, la primitive mathématique cryptographique reste toujours la même. Ouais. Donc, quel que soit le niveau dans lequel on se trouve, ça reste toujours du bitcoin. Mmh. Après, quand on passe par ce type d'adresse, c'est pour rentrer dans un réseau qui a des propriétés différentes. D'accord. Alors même sans parler de triche, etc., qu'on va aborder justement avec les channels, c'est juste pour dire bah, voilà, on entre dans un réseau différent, dans un réseau Lightning. Okay. Donc bon, bah, là, comme on reprend les exemples, Alice, Bob, Charlie, c'est Charlie ? Ouais, c'est Charlie. Donc ils génèrent des adresses. Et donc, là, comme on est voilà, full de Alice, on a vu qu'Alice a généré une clé Bitcoin Lightning. Et donc après, on indique à Bitcoin, donc BTCD, pas Lightning D, d'envoyer des Bitcoins sur l'adresse Lightning de Alice. Alors à ce niveau-là, si vous avez fait, si vous avez avancé, si vous avez, sur vos ordinateurs, vous êtes arrivé, tant mieux pour vous, à générer une adresse Lightning testnet, vous pouvez me la donner, parce que j'ai beaucoup de testnet coins, et parce que ça vaut rien, donc voilà, je peux vous en donner pour que vous puissiez faire ça. Je ne sais pas qui est intéressé. Ou pas. Bon, bah ça, voilà, ça va rien. Donc voilà. Une fois que cette adresse est générée, on a reçu du Bitcoin. Même s'il n'y a pas de confirmation, ça va quand même l'afficher. On a la commande LNClean. Donc là, on est sur le logiciel Network LNClean. La commande, c'est wallet balance. Donc on va demander au logiciel Lightning, dis-moi combien j'ai dans mon wallet. On parle bien de wallet, pas encore de chaîne de wallet. Donc dans le wallet sur lequel on a envoyé, on a généré plus haut, sur lequel on a envoyé une bitcoin, on tape wallet balance, ça affiche ce qu'il y a dans ce wallet-là. Donc j'ai essayé. Hop. Non, il ne veut pas sortir. Détacher le terminal. Alors là aussi, il va falloir faire. Ah, pas mal. Voilà, lui, ça marche mieux. On veut augmenter la taille. Ah, là, je pense que c'est mieux. Donc là, j'utilise la commande LNP. Donc, moins network. Testnet pour indiquer que je suis sur le testnet et pas sur le mainnet. Et donc, on a dit, la commande c'était wallet balance. Donc, je tape wallet balance, la lampe. Et donc, bah, je vois sur mon adresse, total balance 79 999 669 Satoshi. Et la balance confirmée, c'est-à-dire qu'elle a été minée. La même balance. Ça, c'est pour les transactions de funding qui ne sont pas encore confirmées, celles qui ne sont pas encore mises. Mais voilà, ça reprend le. Alors, petit truc. Voilà. Donc ensuite, il y a besoin, une fois qu'on a les fonds sur les différents nœuds Lightning, donc dans Wallet Balance, on l'a vu, mais ils sont juste dans le wallet, ils ne sont pas encore. Mis sur les canaux qu'on va ouvrir avec les différentes personnes avec qui on veut les ouvrir. Donc, pour connecter Alice à Bob, donc là, on va commencer par le début. On a une commande, comme wallet balance, qui s'appelle getInfo. Donc, getInfo, on va essayer si ça veut bien marcher. Donc, à la place de wallet, je mets getInfo. Et là, il me sort les informations qu'on voit sur une page. Donc, la version du logiciel avec une network. La clé publique d'identité. L'alias, qui est juste le raccourci, hein, c'est le même début.
le nombre de channels qui sont en train d'être ouverts, pending, en attente, le nombre de channels actifs qui sont confirmés, le nombre de channels inactifs, le nombre de terres auxquelles on est connecté. Block 8, c'est le, là où on est la chaîne Bitcoin qui est en dessous, le nombre de blocs. Donc sur le testnet, on voit qu'il y a 1 452 702 blocs, beaucoup plus que sur la chaîne Mainnet. Le bloc H, pour bien vérifier, pas, on ne peut pas qu'on se situe sur un fork. Le timestamp des entêtes, est-ce que c'est bien synchronisé sur la chaîne, sur quel réseau on est, la chaîne testnet, sur Bitcoin, testnet. Et ça, c'est l'URL, l'URI plutôt, une liste d'URI. Moi, j'en ai qu'une seule parce que. Parce que j'ai qu'un seul node, j'ai qu'un seul node d'actif sur ce logiciel. Donc on voit là la chaîne de caractère très longue. On voit que c'est la même que la chaîne d'identité du quiche ou alias. Ça, c'est vraiment l'identifiant qu'on a sur le réseau Lightning. C'est, la chaîne est tellement longue que c'est unique. Chacun a le sien et c'est vraiment unique. Et on a un petit arrobas et ensuite l'adresse IP. Et le port sur lequel on va se connecter. Ça, ce sont des informations réseau. Donc l'adresse IP, on en a parlé tout à l'heure, c'est les réseaux privés et publics. Donc c'est une adresse IP publique, 195. Et 9735, c'est le port sur lequel on se connecte. C'est-à-dire qu'une adresse IP dans toutes les machines, il y en a une. Et ensuite, les ports, c'est comme des prises. Et il y a plein de prises, il y a la prise 1 à la prise 65535. Et les logiciels qu'on lance derrière, dans l'ordinateur, on peut le connecter à différentes prises. Et comme ça, les prises qui sont accessibles, les ports, les différents logiciels sur Internet peuvent se connecter. Donc là, c'est le port numéro 9735. Il y en a plein. Le port 21, c'est l'FTP, 22, c'est SSH, 25, c'est le mail, 400. Enfin, il y en a plein, c'est sous les normes, c'est pas très intéressant, mais il y en a beaucoup. Hop, je retourne là. Donc là, on a des informations qui sont un peu différentes. Par exemple, là, on voit qu'il n'y a pas du URI, on voit que la chaîne est décrite différemment. Et c'est normal parce que cette documentation, lorsqu'elle a été écrite, le logiciel n'était pas aussi avancé. Comme c'est un logiciel qui est développé plutôt vite, les développeurs sont très actifs sur ce genre de projet, donc la doc et la documentation est forcément obsolète. C'est normal qu'il y ait une différence. Donc là, on a la... pour connecter à Isabob, on va avoir une commande connect. Donc là, on voit Bob Petty. Arrobas localhost 1012 et donc on retrouve ce qu'on avait dans la, je vais essayer de mettre ça dans la même. Est-ce qu'on peut faire ah, ça va, vous arrivez à lire encore? Voilà, dans mon URL, on a moi Julien, donc Julien Pulquet. En basse, l'adresse IP publique de point le port. Donc on a la même nomenclature. Et donc bah, je vais pouvoir me connecter à. C'est à ce moment-là qu'on se connecte. On fait, pour l'instant, on ne voit pas de chaîne. D'abord, on se connecte. C'est-à-dire qu'on va établir une communication réseau. On se met d'accord sur comment discuter ensemble avant de jouer un canal. Comme il y a l'adresse IP derrière, je vais avec le port. On va pouvoir se connecter à la bonne machine sur Internet et avec l'identifiant, on va pouvoir se connecter au bon nœud. Parce qu'évidemment, derrière ça, il peut y avoir plusieurs nœuds, donc plusieurs identifiants. Donc là, c'est vraiment la machine sur laquelle on se connecte. Et ça, c'est l'identifiant du logiciel, la GNU, sur lequel on va se connecter. Donc moi, j'ai fait deux connexions. La première, je vais vous la montrer. Voilà, si je retrouve mon curseur. Hop, il est là. Voilà. Hop.
cas, c'est fawcett.lightning.community. Donc c'est encore le même nom de domaine, mais sauf que c'est pas dev, c'est fawcett. Donc un fawcett, je crois que c'est un robinet en anglais, un truc comme ça, ouais. Et donc bah, c'est des initiatives, c'était sur Bitcoin au début, maintenant c'est sur Bitcoin, sur Lightning, pardon, et ça permet d'obtenir gratuitement des unités de compte de Bitcoin Testnet. Ça, les fawcett, ça fonctionne que sur le réseau de Testnet parce que comme ils n'ont aucune valeur, les Bitcoin Testnet, eux ils en donnent gratuitement. Donc on voit qu'il y a 44,43 testnet Bitcoin disponibles pour la création de canaux. Donc ça, ça permet d'indiquer à ce site-là, voilà, j'ai mon node, j'ai mon nœud, donc avec l'identifiant, l'adresse IP et le port, et comment je veux configurer ma balance Lightning. On va y revenir après. Mais ça, ça permet de demander à ce fawcett de se connecter à notre nœud. Mais moi, je n'ai pas fait comme ça. J'ai utilisé la première ligne en haut, où on voit qu'il y a un identifiant, arrobas, une adresse IP publique. Le port, on ne l'indique pas parce que c'est le port par défaut, 8735. Donc quand on ne l'indique pas, on prend le port par défaut. Donc moi, j'ai utilisé cet identifiant Lightning. Ici. Voilà. J'ai fait un LNP, connect, cet identifiant, on passe l'adresse IP. Et donc j'ai ouvert une connexion avec ce site de fawcett. Tac, tac, tac. Je me situe où? Donc dans les paires, on a une commande pour lister les list peers qui permet de faire la liste de toutes les personnes auxquelles les nœuds Lightning sur lesquels on est connecté. Je sais juste connecter, on n'a pas encore ouvert de canon. Donc je tape au lieu de getInfo list peers et là il me sort une liste assez longue. Parce qu'il se connecte automatiquement à différentes personnes sur le réseau. Et on voit, si je me souviens bien, c'est le deuxième. Voilà. C'est le deuxième nœud où je me suis connecté. Parce que comme il se connecte au hasard, il n'est pas forcément connecté sur le nœud sur lequel on veut se connecter. Il fait d'autres connexions au hasard. Qui va chercher dans ce qu'on appelle des sites DNS, SED, pour trouver du monde, pour peupler un petit peu la liste de paires, pour pouvoir communiquer. Mais je voulais mettre ce paire-là dans ma liste de paires. Et donc bah, j'ai fait mon connect. Et après, en faisant liste peers, j'ai bien le peers qui va correspondre au fawcett que j'ai indiqué, tout à l'heure. On passe à la suite. Voilà, après, ce qu'on se passe sur deux nœuds différents opposés, bah, évidemment, les informations vont correspondre dans un sens ou dans l'autre. Donc, on voit aussi qu'il y a SAT send et SAT receive. C'est le nombre de Satoshi qui ont été reçus ou envoyés à ce pair. Donc, c'est vraiment une vue par peer, par pair à pair. C'est pas une vue par Chanel, c'est vraiment par là. Donc, ensuite, c'est là où on arrive sur le cœur de Lightning, c'est le channel. Donc une fois qu'on a installé Bitcoin, qu'on a synchronisé sa chaîne, qu'on a installé Lightning Network, qu'on a connecté le logiciel Lightning Network sur le logiciel Bitcoin synchronisé, qu'on a créé une adresse Lightning, qu'on l'a nourri avec quelques bitcoins, on s'est connecté à des paires. Maintenant, on a toute l'infrastructure, tout le réseau disponible. On va pouvoir créer le channel
Et donc la commande, on a vu getInfo, Inspires. Là, la commande, ça va être OpenChannel. Donc, alors bien évidemment, la doc n'est pas à jour. Mais cette commande, elle prend trois paramètres. D'abord, l'identifiant du peer sur lequel on veut le connecter. On n'a pas besoin de mettre l'adresse IP parce qu'on l'a déjà dans notre liste de pairs. Donc quand on donne l'identifiant, on va tout de suite le reconnaître dans la liste de pairs qu'on a. Et les deux autres paramètres correspondent au montant qu'on veut s'attribuer et au montant qu'on veut attribuer au pair sur lequel on se connecte. Donc là, il n'y a qu'un seul paramètre parce que, bien évidemment, c'est logique qu'on veut s'attribuer soi-même toute sa fortune et que jamais on ne donne rien d'autre. Donc là, c'est implicitement local. Le montant local va être de 1 million de Satoshi et le montant push, le montant distant, va être de 0 Satoshi. Donc, depuis cette doc, on a rajouté le troisième paramètre qui permet de donner, en quelque sorte, des bitcoins au pair auquel on se connecte, parce que ça représente quand même un cas d'utilisation qui existe. Si par exemple, je vous vends des bitcoins en OTC, c'est-à-dire contre du cash, mais via Lightning Network, bon, bah, je vais vous prendre 20 euros et je vais ouvrir un canal où je vous donne l'équivalent de 20 euros pour vous et je mets ce que je veux de mon côté. C'est une balance à deux côtés. Et donc, une fois qu'on a ouvert ces canaux, ça prend du temps parce qu'il demande, quand on ouvre un canal, ça crée une transaction. On a vu qu'on avait créé un wallet Lightning, un wallet Bitcoin sur Lightning. C'est le premier pas pour mettre ses fonds dans ce réseau. Et l'ouverture de canal, elle provoque une transaction Bitcoin qui, en premier lieu, pour ensuite pouvoir justement utiliser le smart contract du canal. Et donc, bah, ça, quand on ouvre un channel, ça prend un peu de temps. Alors ça, dans le protocole, c'est encore en cours de choix, de négociation. Au tout début, c'était deux confirmations de la transaction. Et maintenant, tout dépend du logiciel, mais c'est dynamique en fonction du montant de la transaction qu'on va faire. Donc là, j'ai fait le boulot aujourd'hui avant de venir, parce que je sais que ça prend du temps. Et donc, on a, quand les canaux ne sont pas encore ouverts, on a une commande qui s'appelle Pending Channels, P-E-N-D-I-N-G, C-H-A-N-E-L-S, qui permet d'indiquer quels sont les canaux en cours d'ouverture ou de fermeture, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore complètement confirmés sur la chaîne Bitcoin. Donc c'est vraiment l'ouverture et la fermeture, mais pas les transactions qui sont liées. On va y arriver. Et donc, bah, comme la doc nous l'indique, parce que eux, ils ne le précisent pas, hein, que voilà, we now need to mine 6 blocks so that the channel is considered valid. Ils indiquent qu'il faut que des 6 confirmations, donc 6 blocs de minés, avant que cette transaction d'ouverture de channel soit considérée comme valide. Donc une fois que c'est validé, comme l'indique cette documentation, on a une commande qui s'appelle list channels. Alors on va la faire. Hein. Hop. List channels. Voilà. Moi, j'ai ouvert 2 canaux. Et donc le premier que je vous ai montré avec le faucet, faucet.lightning.community. Donc là, on retrouve bien la clé publique d'identification, le tête. Donc channel point, ça n'a rien,
Ça, c'est des informations techniques qui ne servent pas à grand chose. Channel ID, c'est pour donner un identifiant à son canal. La capacité, c'est donc c'est le total du canal qu'on a ouvert. Et donc là, on retrouve les paramètres qu'on a à l'ouverture de channel, c'est-à-dire d'abord l'identifiant du nœud auquel on s'est connecté, avec lequel on a ouvert le channel, la capacité qui est le premier paramètre, combien on va mettre sur ce canal, et après il y a le local balance, le remote balance, qui est combien dans ce canal, ce contrat qu'il y a entre le père et moi, combien il y a de mon côté, et combien il y a du côté du canal. Donc là j'ai mis 10 millions de satoshi sur le canal, répartis à 5 millions pour le père. Donc j'ai donné 5 millions de satoshi au site, il faut 7. Et pour moi, j'ai aussi 5 millions, un petit peu moins, parce que j'ai dû payer la commission de la transaction de la transaction Bitcoin. Donc c'est 183 satoshi. C'est pas beaucoup. Hein, on va pas se plaindre. Et bon, après il y a d'autres paramètres qui sont combien je vais prendre moi de transactions sur ce canal. Et ensuite, tout ce qui est passé par le canal, tout ce qui est en cours, les transactions qui sont en cours. Donc les painting HTLC, c'est les transactions en cours. HTLC, il faudra demander à Fabrice Point, il va vous réexpliquer tout ce que c'est. Time locked contract. Et on les voit rarement apparaître dans cette commande parce que les HTLC, ça peut être extrêmement rapide. Donc on n'a même pas le temps de voir les HTLC en attente. Puis après, on a différentes indications, si est-ce que le canal est privé, est-ce qu'on est initiateur du canal ou pas. Et j'ai ouvert un deuxième canal avec un autre peer, et c'est le Lightning Testnet 2 à 5 de Fabrice, sur lequel je me suis aussi connecté. Donc pareil, avec exactement la même balance, même principe. Comme ça, j'ai deux canons. Donc là, on montre, une fois que ce canal est établi, on a, pour tester le logiciel, on a le single hop paiement, qui est l'utilisation la plus simple, c'est-à-dire le pair sur lequel je me suis connecté, donc soit le faucet de Lightning Community ou le nœud de test de A5, c'est-à-dire que je vais envoyer de l'argent juste au pair auquel je suis connecté. Donc c'est pour ça qu'on dit single hop, parce qu'en fait ça va juste envoyer des fonds sur ce canal. Alors pour le faire, et c'est là qu'on comprend la grosse différence avec le réseau Bitcoin de premier niveau, de layer 1, et le réseau Lightning qui est en layer 2. C'est le réseau Bitcoin, on peut envoyer de l'argent à n'importe qui. Il suffit juste d'avoir l'adresse publique, l'adresse Bitcoin. Et une fois qu'on a l'adresse, on peut lui envoyer de l'argent. La personne ne peut pas le refuser. Dans Lightning, même si c'est en train de changer, avant de pouvoir recevoir un paiement, il faut faire une facture, invoice. Donc, pour que Alice puisse envoyer à Bob des fonds avec Lightning, il faut que Bob fournisse une facture à Alice. Alors, on appelle ça une facture, mais en gros, ce sont majoritairement des informations techniques sur par où passer pour envoyer les fonds. Donc là, on a LNP, add invoice avec un montant. Donc par exemple, je suis sur le
faire add invoice et un montant, par exemple 250 satoshi. Voilà. Donc il me donne des informations techniques. Ça faudra revoir la présentation de Fabrice parce qu'elle va être beaucoup plus claire sur à quoi servent ces informations techniques. Mais on a ce qu'on appelle une chaîne de caractères qui s'appelle Payment Request. C'est la facture. Donc une facture, ça ressemble à ça. La deuxième ligne, c'est ça. Donc, sur la facture, tu n'as pas mis l'adresse du destinataire. Donc il n'y a pas encore la notion de route encore dans la facture. C'est le client qui paye qui va choisir la route. Mm-hmm. Ouais. C'est juste dit C'est juste qu'effectivement là, il n'y a pas de notion de routage encore. Pour l'instant, ouais, j'ai pas encore envoyé la facture. Parce que c'est payant hein, aujourd'hui. J'envoie des factures à la fin du meetup. Donc là, pour l'instant, j'ai juste écrit une facture. Je ne l'ai pas encore donnée. Je suis Bob, j'ai écrit la facture, je ne l'ai pas encore donnée à Alice. On est obligé de préciser un montant ? Non. Il me semblait que maintenant, on pouvait ne pas préciser le montant. Dire c'est un appel à paiement finalement, non ? Oui, alors. Pour être tout à fait honnête, j'en sais rien du tout. D'accord. Où est-ce qu'ils en sont dans le développement ? À la base, il faut donner le montant. Même là, j'ai fait Add Invoice directement avec le montant, alors que dans la documentation, il faut ajouter l'option moins amount, etc. Donc, même entre la doc et comment ça fonctionne maintenant, il y a une différence. Mais cette chaîne de caractères qui représente la facture à payer, je peux la transmettre à Alice sous différentes formes. Soit sous cette forme-là, je fais un copier-coller, soit ça peut être transformé sous forme de QR code. Donc dans ce cas-là, Alice peut le scanner avec son téléphone et récupérer l'information sous cette forme via le QR code. Et si je dis pas de bêtises, on peut ajouter tout un tas d'autres informations, notamment un petit billet ou un truc comme ça, oui, qui permettent à Alice de voir « Ah, mais oui, c'est pour le paiement de... » On peut aller voir sur le site technique. Si je le trouve, il doit être par là. Non. Voilà. Voilà. Voilà, on a un invoice. Alors il y a tout un tas de paramètres. C'est sur quel site ça? Ça c'est api.lightning.community. Ça dérange pas de zoomer légèrement? De zoomer légèrement. C'est encore plus? Encore plus. Non? Allô? Bon, tant pis. Tu peux juste redonner du HTML. Ah, c'est parfait. Donc ouais, c'est tout est sur lightning.community, okay, ou lightning.engineering ou lightning.network. Toutes ces informations-là, c'est sur lightning.community. Donc c'est une API. Ça résume en gros toutes les commandes qui sont disponibles dans Lightning Network, et celle qui nous intéresse pour le coup, c'est si je retrouve le truc. Add invoice, qui est on crée notre facture sur notre pneu. Et donc on a le fameux mémo, qui est un mémo optionnel à attacher avec une facture, utilisé pour la comptabilité du créateur de la facture, et qui peut aussi être inscrite dans le champ de description. La requête de paiement encodée si le champ de description n'est pas utilisé. Donc on a le reçu, la préimage, le hash, la valeur, qui est le nom de Satoshi, l'état, est-ce que c'est settle, la création, la date de création, la date de résolution, la chaîne de caractères qui peut être en QR code. Et ensuite, on a la description hash. Et donc c'est le hash d'une description du paiement utilisé pour le paiement. Vous êtes une description of payment memo, if too long. Voilà, c'est si c'est long ou pas long, si c'est une grosse description ou pas.
et expirer, c'est combien, au bout de combien de temps ça expire. L'adresse de fallback. C'était l'expiris. Bref. Tout un tas de paramètres qu'on peut y mettre. Ouais, mais on peut les utiliser tous. Voilà, avec la moon pen, la moon pen en Satoshi, en mini Satoshi. C'est un long, hein. Un long. Si tu nous affiches le QR code de ton invoice que tu as créé, on pourra te scanner et te payer. Qu'est-ce qui se passe s'il y a deux personnes qui te payent? Bah la première, elle va y arriver. Il y aura un échec sur une des deux au hasard, de manière déterministe, ou les deux vont accepter à un moment donné. C'est la. En fait, la facture, elle est dans un état à payer, on va dire. La première personne qui scanne le QR code va entamer le paiement. Et une fois que ce paiement est arrivé dans l'état settle, l'état fini, la personne qui va arriver derrière et re-scanner ce QR code va tenter le paiement, mais ça va... C'est chaîne, ça, je ne connais pas. Donc ça va échouer, ça va échouer pour... Ça va échouer. Donc, hop, je reprends ça. C'est les deux pays deux fois, c'est pas possible. Oui, pour un utilisateur donné, mais quand, normalement, en général, pour un gars qui est devant l'écran, donc pour moi, il n'y a pas deux personnes derrière le même écran. Ah, c'est ça, comment c'était géré. Pas faire de donation, alors. Pas faire de... Non, pour l'instant, on peut pas. Ça va évoluer, mais... Ce qui veut dire qu'on peut pas mettre les QR codes sur des étiquettes physiques, sur des articles. Ils font évoluer le protocole à zéro, et on pourrait peut-être avoir une base de zéro. Et... Oui, sauf que ça resterait quand même un appel à paiement bien fini. Donc une fois qu'il est payé, il est payé. C'est... Il est grillé, quoi. En fait, ça grille le QR code. Je crois qu'il va justement pas annuler le protocole. Je crois qu'à droite, tu vas... Il faut mettre texte, hein, par contre. Ah, si tu mets en URL, ça marchera pas. Il faut mettre en texte. Ouais, c'est en texte. Donc, je vais essayer. Hein. Le truc, c'est que si on paye partiellement une facture par une personne, est-ce que la deuxième personne peut aussi payer partiellement cette deuxième facture? Parce que l'état sera pas encore fini. Ça, c'est pas clair. On peut payer partiellement, on peut choisir de payer la moitié de la facturation. Je crois qu'on peut spécifier le montant. Ouais, quand on paye. Donc, du coup, ça c'est pareil, est-ce que c'est géré? Faut tester. Faut tester. Après, je suis même pas capable de donner toutes ces informations-là dans le détail. Parce que c'est un logiciel qui est en cours de développement. Il y a beaucoup de nouvelles technologies qui arrivent dedans sur, justement, par exemple, payer partiellement. Ou je vais annuler le téléchargement peut-être si ça marche. Hop. Ou par exemple, si on a, comme on a vu que les canaux avaient des capacités, par exemple j'ai deux canaux avec une capacité, un avec une capacité de 1 bitcoin, l'autre avec une capacité de 2 bitcoins. Si je veux faire un paiement de 2,5 bitcoins, bah, c'est trop pour chacun des chaînes. Et les canaux. Par contre, sur le total des canaux, ça rentre. Et donc, il y a des technologies qui permettent d'utiliser différents canaux qui additionnés vont donner le montant que je vais être capable de dispenser. C'est nouveau, ces choses-là, ce n'est pas encore tout à fait terminé, parce que pour l'instant, on est limité au final dans notre route de paiement qui va passer au travers des différents canaux selon une chaîne. On va être limité par la capacité la plus faible. Donc bien sûr, quand on est connecté à une personne, la personne est connectée à d'autres personnes, donc des routes possibles, des chemins possibles pour la transaction, il y en a plein. Donc on trouvera toujours des canaux qui ont la capacité. Mais pour les paiements à gros volume, ce qui n'existe pas vraiment encore sur Lightning Network, mais ça existera à nouveau de cette network, bah là, on arrive dans cette difficulté où bah, on va trouver une route, mais on va avoir une capacité que de 1, 2, 3, 4 bitcoins. Là, je parle sérieusement, avec des montants réels, 2, 3 bitcoins, c'est difficile d'aller plus haut. Si je veux faire un gros paiement, m'acheter une maison, j'en ai pour, je sais pas, moi, 100 bitcoins, bah, ça ne va pas passer, parce qu'il manque de la capacité sur la meilleure route que j'ai. Et donc, on a une nouvelle technologie, c'est AMP, Atomic
multiple pass, comme ça, qui permet justement d'additionner ces différents canaux pour pouvoir avoir une capacité plus grosse. Mais à savoir où est-ce que ça en est, c'est dans le statut de développement, est-ce que c'est dans cette version, qu'est-ce qu'il y a dans cette version, ça va trop vite, même moi je suis incapable de le dire, pourtant je fais partie des développeurs de Lightning. Donc on va essayer de passer plusieurs fois dans le même canal, par exemple, s'il y a une capacité de 0.5, on fait passer 0.5, puis 0.5, puis 0.5. Bah, non, parce qu'on va le déplate, hein, ouais. il va être une fois que tout est décalé à destination, c'est vide. Donc là j'ai ouvert un canal avec une capacité, enfin, une capacité totale de 10 millions de Satoshi, et j'ai fait une balance avec 5 millions, 5 millions. Donc bien sûr que je pourrais enchaîner des paiements de 100 Satoshi, il y en a des milliers, mais par contre, au-delà, ça risque d'être difficile. Nous, on va quand même scanner ce QR code à la fin. Alors, là, j'ai installé l'application Éclair, testnet, bien testnet, hein, pas l'éclair VMnet, et je vais essayer de voir si je peux. Non, je ne veux pas ça, je ne veux pas ça, je veux. Scan a payment request. Donc on va voir. Donc autoriser une application. Voilà, reading invoice, 250 Satoshi. Ou bien comment je fais machin, j'ai un petit bouton paye et on va voir, surprise, est-ce que ça marche ou pas. Payment send, ça a marché. Ouais, ça me fait plaisir parce que. Mais tu avais déjà ouvert un canal avec ton téléphone. Oui. Alors pour la petite histoire, parce que j'ai fait un paiement avant de venir pour tester, et ça avait fait payment fail. Pourquoi ? J'ai installé l'application de A5 Éclair. J'y ai mis les bitcoins parce que c'est avec le wallet bitcoin, c'était les bitcoins testés que je mets, il n'y a pas de problème. Et ensuite j'ai ouvert de ce téléphone, de l'application Éclair, on ne peut ouvrir un canal qu'avec un nœud Éclair. C'est un nœud, disons, test-net, etc. Et l'application ne peut nous permettre que de se connecter à ce nœud. Donc j'ai fait entre mon téléphone, donc le nœud Lightning de mon téléphone et le nœud de Lightning AS5, j'ai ouvert un canal. Sur l'ordinateur, j'avais installé Lightning et j'ai ouvert un canal avec le faucet testnet. Donc entre le logiciel Lightning de l'ordinateur et le nœud Lightning de faucet. Le problème, c'est que le nœud de faucet testnet et le nœud A5 testnet, ils ne sont pas connectés nulle part parce que le réseau testnet se dégarnit comme moi. Et donc, il doit manquer un canal quelque part pour quand même un peu. Donc juste avant de venir, j'ai ouvert entre mon ordinateur et le nœud Lightning A5 un canal. On a de la chance, il y a eu assez de bugs minés assez rapidement pour confirmer tout ça. Et donc bah là, dans les deux canaux que je vous ai montrés, que j'avais, il y avait le premier qui était le faucet, le second qui était le nœud A5. Et donc bah là, ça, mon premier paiement dans l'après-midi, il a foiré parce qu'il n'a pas réussi à trouver la route. Parce que dans le réseau Lightning, entre mon nœud et mon nœud de l'ordinateur et mon nœud du téléphone, il n'a pas réussi à trouver tous les canaux enchaînés, une route, tout simplement, pour achever le paiement. Alors que là, comme je me suis refait la connexion, j'ai refait un paiement, et comme les deux sont connectés au nœud Lightning A5, qui s'appelle endurance.a5.com, un truc comme ça, le paiement est passé. Donc sur mon téléphone, moi, je ne montre pas parce que ça ne sert à rien. Juste pour préciser, c'est que quand on fait cette connexion avec le serveur de A5, on leur a donné la moitié de la balance, sans contrepartie. D'accord. Et dans la vraie vie, ça se passe un peu comme ça. Ouais, ouais, non, ça. C'est en théorie, chacun met la contrepartie, pas vraiment contrepartie. On n'a pas contrepartie. Quand on a un serveur qu'on ne connaît pas, on n'est pas contrepartie. Oui, oui, d'accord. Voilà, parce que là, j'ai bien donné 5 millions de Satoshi au faucet, faucet.lightning.community, et là, j'ai encore donné 5 millions de Satoshi au nœud. Au nœud A5. Bon, cela dit, comme on est sur testnet, ils auraient pu mettre aussi la contrepartie qui va bien. Oui, alors après, le truc, c'est que si c'est moi qui mets des deux côtés une balance que de mon côté et que je n'ai pas donné d'argent,
des deux côtés, c'est que de l'argent à moi, donc je pourrais pas pousser plus. C'est-à-dire que sur mon channel, sur le channel que j'avais ouvert sur mon ordinateur, si j'avais mis que 5 millions de satoshi de mon côté à pousser, à dépenser, et sur mon téléphone pareil, 5 millions à dépenser, moi j'aurais voulu faire le paiement, ça aurait foiré aussi, parce que au final, la capacité sur ce canal pour la dépense de mon téléphone vers l'ordinateur est zéro. Parce que en fait, ce chiffre-là aurait été à. Enfin, le chiffre remote balance aurait été à zéro. Non, c'est pas compris. Alors, comme c'est des bitcoins testnet qui n'ont pas de valeur, le serveur A5 comme le serveur FO7 pourrait mettre la contrepartie. Oui, mais il faudra l'automatiser. C'est-à-dire que là, il faudrait créer une voice et l'envoyer à l'autre qui l'accepte. On ne peut pas faire de facture automatique, de paiement automatique. Bah, c'est, en fait, mais au moment de l'ouverture du. Bah, c'est celui qui ouvre, qui dépose. Oui. C'est exactement ça. C'est d'accord. Moi, j'ai pris juste l'information du haut pour ouvrir mon channel. Et tout à l'heure, on a vu que le FOSEN indique ce qui est disponible. Mmh. Et on peut demander au FOSEN de venir créer un channel avec nous en lui indiquant combien il y a au total. Et quelle est la balance initiale, donc quel est le montant qu'il va nous donner. Donc on peut très bien dire à ce chiffre de faire comme moi, d'accord. De dire ici on va mettre 10 millions, et ici on va mettre 5 millions, et donc bah, dans le canal que FOSEN va ouvrir avec nous, il donne 5 millions de satoshi. C'est, en fait, il faudrait que A5 ait cette interface-là, mais ce n'est pas leur job de faire FOSEN. C'est, pas... c'est pour ça que ça n'existe pas. Mais, quand on ouvre un canal, on indique le montant qu'on va recevoir. Oui. Et pour que la valeur puisse circuler, il faut juste que tous les intermédiaires aient au moins ce montant-là. Alors c'est pas. En fait, c'est une balance. Mmh. Ce n'est pas un montant. C'est-à-dire que quand j'ouvre un canal, c'est un contrat entre deux parties. Mmh. Et le canal, il va avoir une taille. Ouais. Et cette taille, c'est toi ce que tu mets, plus moi ce que je mets. Donc là, on va dire, le canal, il a une taille totale de 10 millions de satoshi. Moi, je vais en mettre 5 millions. Ouais. Et toi, tu vas en mettre 5 millions. Donc, on a une balance qui est égale, 5 millions, 5 millions. Donc, quand il y a un paiement qui passe par mon nœud, que je t'envoie, que je reçois de quelqu'un d'autre pour aller vers toi, ça va faire pencher la balance de ton côté. C'est-à-dire que bah, moi, j'aurais plus que 4 millions de satoshi et toi t'en auras 6. Voilà, ça veut dire que celui qui m'envoie, il ne faut pas qu'il m'envoie plus de 5 millions parce que toi tu pourras pas. Bah non, dans ce cas-là je lui envoie, ça marche pas. Ok, maintenant si jamais lui il m'envoie plus que 5 millions, moi j'ouvre un canal pour 5 millions, il m'envoie plus que 5 millions. Mais toi, en fait, tu as moins que 5 millions. C'est pas y a pas possibilité de créditer, du coup, toi, ta balance pour que ça ne bloque pas le transfert. Alors, pour l'instant, non. Mais pas dans la version que j'utilise de la vie. Mais ce qui est en cours de développement, comment on appelle ça, le fait de pouvoir remettre de l'argent dans le canal. C'est en train d'être développé. Donc la réponse, elle est non. C'est-à-dire que pour l'instant, je ne peux pas rajouter dans mon canal les 2-3 millions de satoshi qui vont être nécessaires pour recevoir le paiement. Mais par contre, ces types d'options-là, elles sont en train d'être développées. D'accord, je pensais que c'était déjà disponible. Mais... Voilà. Okay. C'est pour les développeurs, ils vont déjà développer, donc pour eux ils vont dire oui, ça marche. Oui. Mais l'utilisateur il va dire bah non, moi j'ai pas accès à la branche bêta ou pour les caisses. Okay, je l'ai dit, ça aura toujours un délai. Parce que rajouter au pot, ça veut dire écrire la blockchain. Enfin. Bah non, là en l'occurrence ils essayent justement de faire en sorte que ça soit faisable avec d'autres canaux. Enfin, vous essayez de se débrouiller. Hein. C'est pas une recherche scientifique de
de sciences fondamentales. Mm-hmm. S'il y a beaucoup de pratiques là-dedans, les développeurs ne sont pas forcément des grands matheux ou des gens qui cherchent la solution unique, ultime, géniale, qui va tout résoudre. Non, c'est beaucoup par la pratique et comment se débrouiller avec de la cryptographie pour faire des contrats. Donc, ouvrir mettre de l'argent sur un e-lightning, c'est déjà un contrat. C'est la transaction de funding, des fonds dans le truc. La transaction de commit, donc à l'ouverture de channel, c'est encore un contrat. Mmh. Et donc, on invente encore de nouveaux contrats pour remettre au pot. Et c'est une autre forme de contrat. Tout ça, c'est du smart contract. Hein, Lightning Network, c'est le smart contract le plus abouti qui existe dans toutes les crypto-monnaies. Il n'y a même pas à discuter. Après, les développeurs, ils essaient de trouver des nouveaux contrats cryptographiques qui permettent, par la cryptographie, de transmettre la valeur. Après, il y a plusieurs manières différentes de le faire et les développeurs sont en train de travailler dessus pour savoir quelle est la meilleure, la plus simple, celle qui prend le moins d'espace, qui demande le moins de communication possible, qui éventuellement ne demande pas à refaire une transaction on-chain, ouais, c'est etc. Ça, c'est ça. Il y a du travail là-dessus. Donc pour l'instant, la question c'est non. Enfin, on ne peut pas rajouter au pot dans un canal. La seule chose qu'on peut faire, c'est ouvrir un autre canal avec une autre personne, qui soit de la taille requise. Par contre, si vous avez usé sur le même net, encore une fois, ne faites pas d'ouverture balancée si vous n'êtes pas contrepartie. Sinon, vous perdez votre argent. Et c'est vraiment une facilité pour le testnet, parce que c'est bien. Mais dans la vraie vie, à part de faire de l'OTC, comme tu disais, c'est le seul use case aujourd'hui où on peut le faire. Quand on est sûr de récupérer l'argent, parce que sinon, l'argent me donne un gâteau, on ne connaît pas. C'est vrai que quand on donne de l'argent à quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est quand même assez difficile de le récupérer. Essayez avec quelqu'un dans la rue, de donner 500 euros. Donne-moi 250 euros. Sans prendre de numéro de téléphone ni rien, et demain essayez de les récupérer. Donc, très pratique. Ce que j'entends de ce que vous dites, c'est qu'il y a une notion de confiance. Ça veut dire que quelque part. Non, c'est que ce use case là. Ce use case là, d'accord. Il nécessite une confiance, mais Lightning, normalement, on est transmettre. On veut justement la cryptographie nous permettre. Oui, donc dans l'ouverture du channel. On est d'accord, on ouvre le channel, moi je mets au pot et toi tu mets au pot. Non, on peut pas le faire aujourd'hui, il n'y a pas de protocole pour ça. Pour ouvrir à deux. C'est prévu dans la roadmap, ils veulent le faire, mais ils n'ont pas encore trouvé le contrat qui permet de le faire. Parce que et l'ergonomie utilisateur. Oui, quand on ouvre un canal, je l'ouvre unilatéralement, c'est une transaction qui va être posée sur le réseau Bitcoin, c'est une transaction. Pour créer cette balance. Quand on est deux, il faut qu'on soit deux à signer la transaction. Et donc, même au niveau Bitcoin, il y a des travaux qui sont faits avec les partially signed Bitcoin transactions, les SBT. Mais ça serait de. C'est-à-dire que moi, il faudrait que je crée un bout de la transaction, je signe mon bout, qu'ensuite je donne à la personne à qui je fais le canal cette partie de transaction. Lui, il va rajouter ses informations et sa signature, et ensuite la transmettre sur le réseau. Mais pour l'instant, comme le dit Michel, ce cas d'usage, ça n'existe pas. Okay. Parce que même quand on réfléchit au niveau de l'expérience utilisateur ou de l'interface utilisateur, comment gérer ce cas-là? Comment se transmettre des bouts de transactions pour ouvrir des canaux? Enfin, faut que ça de. Au bout d'un moment, il faut bien comprendre que c'est des réseaux de paiement et qu'on s'adresse à. Il faut s'adresser à tout un chacun et mettre de la complexité, même si c'est possible, mais avoir un système complexe, ça ne sert à rien. On pourrait de le faire, en vérité, on pourrait ouvrir un canal à deux, mais ça demande des connaissances et un protocole qui est quand même assez compliqué. Et pour un réseau de paiement, mettre ce type de complexité là-dedans. Ah, là, bah, tout est bien, à un moment, il va falloir le masquer. Voilà. Pour l'instant, on essaie de trouver le contrat qui soit assez smart, assez joli, pour faire ça de manière transparente, sans qu'on ait à se prendre la tête là-dessus. Donc, bon, on reprend le truc. J'ai fait mon paiement
ici, bon, bah, en gros, il y a une commande qui s'appelle Sentiment, et ensuite on met la fameuse ligne. Donc là, le téléphone, il l'a récupéré par le QR code, et il a fait le Sentiment. Là-dessus, dans cette facture, il y a bien le nœud Lightning sur la destination. Et donc, bah, Alice, pour envoyer le paiement, elle va demander au réseau où se trouve ce nœud et trouver la route qui va jusqu'à ce nœud. Donc là, pour le coup, on est passé par le nœud éclair. Et une fois que la route, on la connaît, on construit le mécanisme de routage qui va permettre de transmettre l'information. C'est un outil en oignon pour conserver la vie privée. Et une fois que cet oignon est construit, prêt à être envoyé sur le réseau, le voyer passe par les différents nœuds, il arrive jusqu'à la personne qui veut l'utiliser, et après, justement, ça reprend un peu, et là, il faut revoir la présentation de Fabrice sur le HTLC qu'on a vu, sur quelle est la communication avec le H, pour valider le mot. Bref. Donc on va faire la liste, on va reprendre toujours la note, on va faire la liste des canaux. Donc là on reprend, on voit mon premier canal que j'avais fait avec le faucet, qui n'a servi à rien parce qu'il ne connectait pas la qualité, on voit les satoshi, tout ça c'est à zéro. Et quand on regarde l'autre canal, que j'ai ouvert avec A5, on voit total Satoshi visible 250. On voit que le paiement est bien arrivé. Enfin, sur le canal, on voit sur le canal que la balance a bougé. Et donc après, bah là c'était sur le single hop, là c'est le multi-hop, et là le cas d'utilisation que je viens de montrer, c'était du multi-hop. Puisque le premier hop, le premier saut, ça a été de mon téléphone jusqu'au nœud A5. Et le deuxième saut, ça a été du nœud A5 jusqu'au nœud qui se trouve dans mon ordinateur. Donc ça reprend la même chose, un open channel, ajouter add invoice pour créer la facture, et send payment pour envoyer les fonds, et list channels pour vérifier que les canaux ont bougé. Donc là, il y a la question de la fermeture des canaux. On ne va même pas le fermer parce que je trouve que c'est une mauvaise chose de fermer un canal. Après, ça, c'est une question de philosophie. Quand on a ouvert le canal, on a établi une balance entre les personnes, donc on a 5 millions et 5 millions. Au fur et à mesure des paiements qui vont s'ajouter, la balance va bouger fortement ou pas. Et par exemple, on va dire que j'ai reçu 5 millions de satoshi de différents paiements, etc. Donc ma balance elle est complètement de mon côté et j'ai plus de capacité sur ce canal. Donc vu que j'ai plus de capacité, il ne me sert plus à rien. Donc à ce moment-là, je me dis, vu qu'il ne me sert à rien, j'ai plus de bitcoin sur mon nœud bitcoin, je peux pas ouvrir le canal parce que j'ai pas de bitcoin. Par contre sur le réseau Lightning j'ai des bitcoins, c'est sur mon canal, mais j'ai plus de capacité pour recevoir, donc je ferme le channel. Et fermer le canal, en fait, ça prend la première transaction d'ouverture du canal, qui est un contrat cryptographique, plus toutes les transactions qui sont reçues, qui sont toutes les mises à jour de ce contrat cryptographique, comme l'a expliqué Fabrice, où c'est un cumul de transactions, plus la dernière transaction. Je prends toutes ces transactions, je les squash, je les mets toutes en une, qui construit une transaction de coin, qui va me donner, sur mon adresse Bitcoin qui est écrite dans le contrat, ce qui correspond à la balance. Donc
la transaction d'entrée où j'avais mis 10 millions au total, c'est-à-dire 5, enfin, on avait chacun mis 5 millions, sur la transaction sortie, bah, j'aurais 10 millions pour moi et 0 pour mon partenaire. Mais ça aurait pu être 7,5 millions pour moi et 2,5 millions pour le partenaire, ou inversement, 0 pour moi et 10 millions pour le partenaire. Après, ça c'est une question sur est-ce qu'il faut fermer les canaux. Parce que là, c'est dans le cas où on a un seul canal, et donc bah, je suis un peu bloqué parce que la capacité de mon canal est complètement absorbée. Mais dans la vraie vie, je vais ouvrir plusieurs canaux, beaucoup plus petits. 10 millions de Satoshi, c'est 0,1 Bitcoin, c'est beaucoup. Je préférais ouvrir beaucoup plus de canaux plus petits. Et donc dans ce cas-là, quand au fur et à mesure de mes dépenses et de mes revenus, les différents canaux vont se stabiliser. Une fois dans un sens ou une fois dans l'autre, utiliser d'autres canaux quand il y a un canot qui n'a plus de capacité, ou attendre de me faire payer pour que ce canal soit remis en capacité. Là-dedans interviennent des questions de topologie. Et par exemple, une entreprise comme Carrefour, qui fait du détail, imaginons qu'elle utilise Lightning Network. Elle met des fonds sur différents canaux, mais après les gens ne font que acheter à Carrefour. Et donc, peu importe le nombre de canaux qu'ils ont, ils vont être obligés de les fermer à la fin pour en rouvrir des neufs de capacité, parce qu'au final, ils ne font que recevoir de l'argent. Et la parade pour ça, ça serait que Carrefour paye ses employés via Lightning Network. Ou ses fournisseurs. Ou ses fournisseurs, et que Carrefour indique aux gens si vous voulez vous faire des paiements à moi, vous pouvez vous connecter au réseau, et dans ce cas-là, le réseau va se former via les clients, les fournisseurs et les employés, parce que dans ce cas-là, on met de l'argent, donc on met de la capacité dans l'autre sens, et après les clients achètent, et donc c'est une capacité dans le sens inverse. Donc, avec ça, un canal peut durer beaucoup, beaucoup, beaucoup plus longtemps. Puis Carrefour pourrait décider de faire du métier de paiement, justement, pour signer un peu plus. Oui. Après, il y a aussi des choses assez folles dans dans Lightning Network, c'est qu'il y a un cas où on a une suite de canaux qui va former un cercle. Et donc, qu'est-ce que ça donne comme possibilité? Je vous laisse réfléchir là-dessus, parce que c'est assez intéressant. Mais oui, il y a beaucoup de choses qui sont là-dessus. Et après, pour l'ouverture et la fermeture d'un canal, il y a un peu plus d'un an, on avait pas mal de problèmes sur le coût des transactions sur Bitcoin, parce que le réseau était spammé par Roger Ver. Et donc, ça posait problème pour Lightning, parce que ça coûtait cher d'ouvrir un canal, parce que les fees étaient hautes, et ça coûte cher de le fermer. Donc dans ces cas-là, il se dit le plus longtemps on va utiliser ce canal, le plus longtemps on aura du chiffre d'affaires sur ce canal, dans un sens ou dans l'autre, moins en termes de pourcentage, la commission de transaction va représenter par rapport au volume, au chiffre d'affaires qui est passé par ce canal. Et donc, il y en a même qui imaginent, même comme moi, où en fait un canal pourrait très bien imaginer qu'il ne soit jamais fermé. Donc, ça, c'est encore des choses à débattre, parce que c'est la technologie, une nouvelle technologie, c'est en cours de développement, il y a beaucoup de possibilités, il y a beaucoup de choses à faire, ça peut être très excitant. Et donc, on finit sur cette chose-là, qui est. Comment vérifier, comment on a vu le channel que j'avais avec A5 avait bougé ici avec les 250, mais après on reprend les commandes qu'on a passées, wallet balance, qui confirme la balance de mon adresse Bitcoin, donc il y a toujours ce que j'ai mis dessus, mais après on a
commande. Là où la balance, totale balance. Ça, c'est tout ce qu'il y a. C'est quoi l'autre? Let, connect, list channels. Channel balance. Là, bah, on a notre balance, on retrouve ce qu'on est en capacité de dépenser. Donc là, on a 10 millions, un peu moins, qui correspond aux 5 millions que j'ai mis sur un canal et 5 millions que j'ai mis sur le canal. Donc en fonction de l'activité qu'il y a sur le canal, la balance, la balance des canaux va varier. Donc là, comme j'ai fait une petite fraction, il y a un peu moins de 10 millions. Hop. Et voilà. Donc vous avez posé beaucoup de questions. Mais maintenant, je continue à en poser. Si vous avez des... ou pas. Des questions. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Ça a été... ça vous a permis de comprendre mieux Lightning par la pratique. De toute façon, on fera d'autres peut-être de ce style-là. C'est peut-être un peu court, 2 heures, pour qu'on soit dans un système où les gens installent le logiciel, ouvrent les canaux, etc. D'autant plus que ça prend du temps à mener. Donc pour le prochain, on utilisera, comme indiqué dans la documentation, non pas le testnet, mais le simnet ou le redtest, qui sont des faux réseaux de Bitcoin où on peut générer des blocs à volonté. Il n'y a pas de question de ménage ou ces choses-là, donc ça sera beaucoup plus court. Parce que dans la présentation que j'avais préparée, je voulais vous faire installer Lightning. J'en ai des Bitcoin testnet pour les fournir, on aurait pu se faire une chaîne. Ouais. Mais faire ce programme, quand même, il est déjà fait 21h. Et on n'a rien fait du tout. Il faudrait toute une après-midi pour pouvoir mettre ça en place, être beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus. Mais ça, on verra. Ouais, il fallait faire la première pour se rendre. Peut-être que les prérequis, c'est non seulement d'avoir le Bitcoin, le portefeuille Bitcoin avec testnet, avec déjà crédité avec des Bitcoins, déjà avoir installé, etc. Pour qu'on arrive et qu'on soit prêt à faire fonctionner le truc. Quoi. Mais après, oui, il y a comme c'est des difficultés et en même temps les développeurs font tout ce qui est possible pour que les gens ne fassent pas de bêtises. Mmh. Par exemple, le logiciel de A5 avec Kate sur téléphone de Fabrice, en fait on ne peut pas recevoir le paiement. Mmh. Il a mis en place cette limitation parce que il y a un nœud Lightning, vaut mieux qu'il soit connecté en permanence. Parce que justement dans le contrat qu'on fait sur Argument, c'est un contrat, et il y a un délai de péremption au-delà duquel une des deux parties du contrat, donc un des deux collègues du final, peut récupérer les fonds. Par exemple, si je prends un canal avec une personne et que cette personne, je ne sais pas, elle décède ou elle s'en va, etc., ça ne va pas rester bloqué. J'aurai un délai, ça peut être 1 heure, comme ça peut être 7 jours, comme ça peut être 2 ans, comme ça peut être 5 secondes. Mais il y a un délai sur lequel on peut récupérer les fonds. Et il y a une question de triche aussi, c'est-à-dire qu'une personne peut essayer de récupérer ses fonds. Par exemple, moi j'ai ouvert un canal, je peux essayer de prendre la transaction voilà, j'ai ouvert une balance avec Michel de c'est 10 millions, on a mis 5 millions chacun. Au cours des transactions qu'on a pu faire, un jour il m'a donné 5 millions et le lendemain je lui ai rendu les 5 millions. Mais je pourrais très bien essayer de tricher en prenant l'état du canal juste après qu'il m'ait donné les 5 millions. Sans la transaction où je lui ai rendu les 5 millions. Dans ce cas-là, j'essaie de le voler. Et si cette transaction passe dans le réseau, il a moyen, avec le contrat cryptographique de Lightning, il a moyen de les, de les,
non pas de les récupérer sa part, les 5 millions, mais de me vider les poches complètes, c'est-à-dire que j'ai triché, j'ai tout perdu. Ce qu'il y avait dans le canal. C'est-à-dire que les 10 millions du canal, il récupère tout. Ouais. Si j'essaie de tricher, c'est le tricheur perd tout dans ce modèle-là. Alors on essaye, peut-être dans le futur, la punition sera moins difficile pour le tricheur, mais au final, c'est quand Fabrice met ses limitations sur ce type de choses, parce que le téléphone ne va pas pouvoir être connecté en permanence, et éventuellement, la personne qui est au bout du canal pourrait tricher. Voilà, c'est sur du test net, c'est des cas vraiment, des corner cases qui n'arrivent vraiment pas souvent, mais... Fabrice est quelqu'un de sérieux, donc non. voilà. Alors moi, j'ai une question sur l'industrialisation de l'AMD. Mm-hmm. En pratique, généralement, en industrie, on aime bien paralyser justement nos démons. Mm-hmm. Et le problème de l'AMD ou de l'ECLA, c'est que ça utilise des bases de données comme DBVolt ou SQLite qui sont attachées à ces démons. Et le reste, c'est possible avec un démon, je ne sais pas si Rust Lightning serait bien de faire ça. Ce serait d'avoir une base de données Postgre, par exemple, hein, là où vous pouvez avoir mes clusters Postgre, qui va conserver mes commitments, et plusieurs LMD, ou plusieurs Rust Lightning, qui se connectent et gèrent à la fois les clés et les channels via cette base de données finalement commune à plusieurs démons. C'est dans le cas. Tu voudrais dire que tu as plusieurs démons Lightning qui fonctionnent sur des identifiants différents, etc. Mais en fait, leur identité est stockée dans une base de données unique. Oui. Donc ça serait 5 nœuds Lightning qui vont récupérer leurs infos dans une base de données et qui la mettent dans une seule et même base de données. Ouais. C'est le problème avec le DBVolt ou SQLite, on se retrouve finalement à que chaque nœud Lightning doit gérer ses propres channels différemment. Et si un nœud Lightning tombe, ces channels, je ne peux pas les utiliser pour le moment tant que je n'ai pas restauré le nœud en question. Mais après, ça, c'est un détail de l'implémentation. C'est-à-dire que ça n'affecte pas la fonctionnalité du logiciel, mais ça affecte son fonctionnement et justement le côté industrialisable. Après, je connais bien l'AMD, et donc, comme tu dis, oui, l'AMD, ce n'est pas du tout prévu pour ce genre de choses. C'est Lightning, il y a plus de possibilités. Rust, bah, c'est vraiment facile, Rust. À rajouter avec le backend, beaucoup moins vers le C. Mais après, il y a d'autres implémentations de Lightning qui sont faites et à faire pour ces cas d'utilisation. Mais après, c'est juste un problème de l'implémentation. C'est que le développeur, il va plus s'être intéressé, il va plus s'être excité à développer le multipass ou remettre au pot, qui sont des choses un peu plus. Voilà, c'est plus le challenge que de faire c'est quoi le backend de la base de données, etc. Donc après, c'est vraiment indépendant de la volonté des développeurs Lightning. Si tu penses qu'ils sont pas cool de ne pas développer ce genre de choses, et ben, il faut prendre ces petites lignes et écrire le code. Et j'ai vu que tu connaissais le Rust, donc écoute, bonne chance pour développer les backends PostgreSQL pour Rust Lightning. BTCP, il avait Nicolas avait vu des bottlenecks justement sur le nombre de requêtes générées, tout ça, il a fait un test. Aujourd'hui, il intègre Codre dans son BTCP serveur. Et aujourd'hui, BTCP devient utilisé par tout le monde. Et un jour, il devient une open source. Et un jour, quelqu'un aura ce besoin-là. Parce qu'il y aura un e-commerce qui voudra traiter, je sais pas, un certain élément. Simultanément. Voilà, donc aujourd'hui, la solution de BTCP va probablement permettre ce genre de. BTCP, pour ceux qui ne savent pas, c'est un petit logiciel qui se rajoute au-dessus de Lightning et qui permet en fait de faire comme les sites de paiement, les sites commerciaux, et pouvoir payer simplement. Ça intègre justement ces questions de facture Lightning directement dans le site. Et tout le monde, il y a forcément une base de données pour juste des questions de comptabilité, rien que ça. Plus après des paliers, des fonctionnalités de e-commerce. Et donc, c'est le logiciel. Pour l'instant, on n'a pas de tout. Je n'en connais pas d'autre. Et c'est vrai que si on avait mis une dizaine d'heures de plus, on aurait pu voir l'implémentation. Mais je sais que Michel aimerait bien présenter le TCP dans un futur. Oui,
Mais c'est vrai que c'est peut-être la. Ouais, on va dire que c'est le développement des choses qui se fait quand la nécessité devient vraiment importante. Là, on est en plein bear market. On a beaucoup de temps pour développer toutes ces solutions-là. Mais bon, en 2020, etc., quand les gens quand le cycle passe, on va arriver sur beaucoup plus de commerçants, beaucoup plus de gens qui vont utiliser ces choses-là. Bon, bah là, la nécessité se fera sentir. Et donc, bah, tout de suite, Rosebif ou enfin, l'équipe Latinoise ou A5 ou Google Stream, là, ils vont s'y mettre tout de suite, ils vont s'y coller et ils développeront le multi-backend Postgre pour du multi-nœud, enfin, ce choses-là. Mais bon cas d'utilisation. Hein. Voilà. Bon, s'il n'y a pas plus de questions, non, je vais vous dire merci. Merci. Merci beaucoup. Merci.